Yahoo, petit bon chat, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour un bilan manga. Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'un yaoi, mais seulement âge conseillé 14 ans et plus. Donc on va parler du manga Labradorescence, un manga des éditions Boys Love dans la collection Anna Collection. Nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon et de novembre 2016 en France. L'œuvre est dans le genre romance étrange de vie. Et au niveau de l'auteur, je ne sais même pas comment ça se prononce, donc j'ai l'affiché. Donc du coup, je sais comment on prononce le nom du mangaka, c'était écrit sur la jaquette, j'avais même pas lu quand j'ai... Enfin, j'avais même pas vu quand je l'ai lu. Donc c'est marqué « Bonjour et enchanté, je suis YMZ » à prononcer Yamazu. Il aurait pu directement s'appeler Yamazu plutôt que... Bon, bref. J'espère de tout cœur que ce manga vous plaira. Voilà, de tout mon cœur, pardon. Donc du coup, en ce qui concerne mon avis sur la qualité des dessins, comme je l'ai dit dans ma vidéo haul du mois de novembre, la partie 2, je n'ai pas spécialement aimé la qualité du dessin. Et en ce qui concerne l'histoire, je ne pourrais pas vraiment te donner un avis très complet, tout simplement parce que j'ai très très vite abandonné l'histoire. Donc tout simplement, pourquoi j'ai abandonné? Tout simplement parce que déjà, l'histoire en soi, je n'arrivais pas à m'immerger dedans. J'espère que c'est le bon mot. Enfin, tu vois, à me plonger dedans. Et la qualité du dessin qui était bien plus... Désolée, bien plus moche. Encore les autres, au niveau de la qualité du dessin, t'arrivais quand même à te plonger dans l'histoire et à prendre plaisir à ta lecture. Là, je bloquais vraiment sur la qualité du dessin et même en ce qui concerne l'histoire en soi, je n'arrivais pas à me plonger entièrement dedans. Donc quand j'ai vu que j'y arrivais vraiment pas, que ça m'ennuyait, que j'avais l'impression de perdre mon temps, j'ai tout simplement préféré abandonner. Donc du coup, en ce qui concerne mon avis, je peux vraiment pas t'en donner un parce que en fait je n'ai lu que ça et ça c'est tout ce que je n'ai pas lu. Donc j'ai vraiment lu un tout petit chapitre et en plus sur la page de chapitre qui est au tout début, ils te mettent que page 5 pour le début, page 192 pour After Story. Entre temps, t'as des chapitres mais ils te disent pas les numéros de page, donc ça c'est pas terrible. Mais en tout cas, du coup, je ne peux vraiment pas te donner un avis parce que je n'ai pas du tout réussi à accrocher. Est-ce que c'est parce que c'est l'univers médical au tout début qui se passe? Est-ce que c'est le reste? Je ne saurais vraiment pas t'expliquer. Voilà, donc honnêtement, pour moi, c'était un gros gros flop. C'est mon plus gros flop, je pense, peut-être des éditions Boys Love. Avec un autre que je vais t'afficher aussi qui était la collection Anna Collection, mais ça date d'il y a un an à peu près que j'avais lu celui-ci. Mais honnêtement, je ne saurais vraiment pas te donner un avis correct dessus. Donc voilà, je passe mon tour, on va dire. Donc je te laisse quand même avec mon avis sur les couvertures et avec la fin. J'en suis pas spécialement fan. Donc du coup, on enlève le manga, voilà. En ce qui concerne du coup... La jaquette, j'ai eu du mal parce que autant sur ordinateur ça paraissait un peu plus pigmenté au niveau de la couleur, mais autant la couleur très pastel comme ça, j'ai vraiment eu du mal, honnêtement. Donc l'image se prolonge du coup sur la tranche du livre, comme ça tu vois à peu près. Donc là je trouve l'image quand même bien choisie parce qu'elle résume en tout cas le peu que j'en ai lu, vu que voilà, j'ai expliqué tout à l'heure, je n'ai pas fini l'œuvre. Donc voilà, donc l'image est plutôt sympa et bien choisie. Donc après on a quand même tout dégagé avec juste le résumé. Ça c'est le genre au niveau de l'apparence que j'apprécie. L'arrière il m'aurait plu, mais franchement l'avant j'ai du mal. Alors j'ai pas regardé pour la jaquette en jap ce que ça donnait, est-ce que c'était pareil ou pas, mais j'ai du mal. Et en ce qui concerne du coup le manga en soi, bah voilà. Donc c'est très 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 discret, hein, comme tu peux le voir. Mais c'est juste des plantes. Voilà, on est sur des plantes avec écrit labradorescence tout en discrétion. Voilà, en ce qui concerne le manga, donc moi je n'ai pas eu de chance, il a été mal tranché sur le côté. Donc on a plein de petits bouts de page qui pèlent, donc c'est pas très très agréable. On a comme une sorte de résumé de l'histoire en image, j'ai l'impression. Enfin, je vous dis bien ça, j'ai l'impression parce que je n'ai pas lu le manga en entier, donc je ne suis pas sûre. Mais ça fait un peu comme s'ils avaient pris des photos au moment de leur relation, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et on commence directement l'histoire avec la page de chapitre, avec la même image que tout à l'heure, mais bien plus grande. Donc c'est plus intéressant au niveau de la vision. Et après directement on enchaîne avec l'histoire. Voilà.
Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura quand même plu, j'espère aussi t'avoir guidé pour savoir si tu devais acheter le manga ou pas. Malheureusement moi, bah, comme tu as pu voir, je n'ai pas réussi à accrocher avec cette histoire. Donc du coup, n'hésite surtout pas à me rejoindre un peu partout et surtout à aller t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, je te retrouve très rapidement pour un nouveau yaoi. Bye !